progressivement, progressivement. Depuis que Claire Devast allie sport et études, les coups de pagaie rythment sa vie. À 16 ans, la jeune athlète a choisi le haut niveau. 12 heures d'entraînement au minimum par semaine, en salle ou sur l'eau. Et ça paye. Championne de France de kayak en mer en août dernier, troisième au championnat du monde en septembre. Des qualités, elle en a, et ça se voit. Sa combativité, c'est un bon point fort. Et elle est déterminée. Donc ça, c'est un point important quand on est compétiteur. Un point faible, je dirais l'explosivité. Et peut-être aussi le manque de confiance en elle. Ça se résout petit à petit, mais c'est un point important à travailler, notamment avec le préparateur mental du CSN. Le CSN, c'est le centre sportif de Normandie. C'est là que Claire s'entraîne avec une douzaine d'autres espoirs du kayak français. Parmi eux, Marin Lanet. Tous deux espèrent être sélectionnés dans l'équipe de France junior d'Océan Racing. Ils visent les championnats d'Europe en mixte et peut-être les mondiaux. Toujours on apprend des autres. Et surtout avec un garçon, on apprend à alléger l'appui, enfin à avoir justement un appui plus léger qu'en qu'un. Et la cadence est différente et tout ça. On se sent plus porté par le partenaire plutôt que en étant tout seul en fait. Et la communication passe bien. À deux, ils maintiennent la cadence. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on se le dit plus franchement, quoi. Et du coup, on s'adapte plus facilement. On va vraiment ralentir la phase aquatique et la phase aérienne pour essayer de bien visualiser chaque moment. Sur le canal de Caen, Claire a découvert le plat. Si ses aptitudes et sa ténacité lui ont permis de progresser dans la course en ligne et le marathon, l'appel de la mer est toujours le plus fort. Le froid, la pluie, le vent, rien ne l'arrête. Dès qu'elle rentre chez elle à Saint-Valery-sur-Somme, elle retrouve son environnement. Déjà la vitesse, c'est pas mon truc. Moi je préfère les courses qui sont vraiment hyper endurantes, où il faut faire des bornes. J'aime bien être un peu contre les éléments. C'est-à-dire qu'il y a le courant, le vent, et surtout on est en nature et c'est un truc que j'aime vraiment, vraiment dans ce sport en fait. Être dehors. À peine le temps de souffler, retour à Caen. Bonjour. Bonjour. Kayakiste le soir, lycéenne le jour, Claire est en première, l'année du bac. Un 732 x 2, un truc genre 3,4. Au CSN, la jeune Valéricaine bénéficie d'un accompagnement scolaire personnalisé. Là, on est en train de faire des dérivés. Elle me disait qu'elle n'avait pas trop compris cette notion là de dérivés de fonctions composées. Donc, on en fait quelques-unes et ça a l'air de. Je ne vais pas vérifier, mais ça a l'air d'être bon. Le truc qui vient là, le 12x moins 2 là et le machin, la puissance 3. Nickel. Je suis super bien suivie au niveau du kiné. On a un kiné à disposition, un médecin. L'entraîneur est super, l'emploi du temps est aménagé, donc ça c'est vachement bien aussi. Bien partie pour s'assurer une carrière sportive internationale, Claire garde un œil sur les JO et la tête sur les épaules. En attendant, elle poursuit ses études. C'est bon, c'est bon.